Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour un Disney personnage en compagnie de Nani Pelekai, la grande sœur de Lilo, dans Lilo et Stitch. Alors Nani, c'est mon personnage préféré de Lilo et Stitch. J'avais été le voir en 2002 à sa sortie. C'est l'un des seuls Disney que j'ai vu, je pense. J'étais voir Dinosaure, Lilo et Stitch, Ratatouille et La Reine des Neiges. Je crois qu'on a approximativement tous les films Disney que j'ai été voir. C'est un personnage que j'aime bien parce que déjà, elle a un du caractère, elle a le sang chaud, en même temps elle adore sa sœur, elle gère tout, elle essaie de garder un travail, s'occuper de Lilo, de sortir avec David de temps en temps quand il peut y arriver. Voilà, c'est quelqu'un au grand cœur, qui a le sens de la famille et j'avais vraiment envie de la retrouver dans les Sims. Alors, j'ai un petit peu de retard dans les personnages Disney, tout simplement parce que c'était les vacances. Donc, ici, on va avoir peut-être encore un personnage dans l'ambiance un peu Sulani, un peu des îles, un peu plage et océan. Et ensuite, on reprendra logiquement avec Lucky des Cent Dalmatiens et Linguini de Ratatouille. Ce qui clôturera en fait la liste que vous m'avez proposée en janvier. Et on relancera probablement une nouvelle candidature à personnage incessamment sous peu. J'adore faire ça en fait, adapter des personnages en Sims et les voir dans mon jeu 5. Et j'espère que ça vous plaît. En ce qui concerne les tenues, je me suis basée sur les quelques tenues qu'on voit de Nani dans les films. Mais elle a souvent un short et un t-shirt, c'est assez basique sa tenue. Et j'essaie d'être le plus fidèle possible, même si je me suis permis des 2-3 petites tenues qui n'ont pas d'inspiration nécessairement, mais qui sont un peu sport, plage, Sulani, vous voyez. Pour la tenue traditionnelle, j'ai dû adapter parce que nous n'avons pas une jupe verte en feuilles. Donc j'ai vraiment adapté en fonction de ce qu'on avait avec la donne, que j'adore. Et alors, qu'est-ce que j'adore, cette jupe avec des fleurs qui rappellent la fleur qu'elle a dans ses cheveux. Franchement, Nani, c'est quelqu'un qui a un style assez simple, j'aime beaucoup son style. C'est plutôt un peu dans le style comme moi. Vous pouvez la retrouver dans la galerie, hein, comme toutes mes créations. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur la galerie pour voir ce que je fais en temps réel. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne pour qu'on passe aux 200. Me laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous dis à très 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 bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas d'âge pour s'amuser.